Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors oui, je suis en pyjama. Alors premièrement, je ne vais rien essayer parce que chez moi il fait 36 ou 38 degrés. Donc c'est pour l'énorme haul de ma vie. C'est le plus gros haul que j'ai fait de ma vie pour l'instant. Donc j'avais déjà fait un haul avant et là ça va être le haul de la troisième démarche. Dans la dernière, j'ai vraiment trouvé des pépites. Donc c'est parti, à part que j'ai rien essayé, donc voilà, désolé. Moi aussi, j'aime pas quand je n'essaye pas. Mais bon, désolé, voilà. Alors, je précise, il y aura des affaires à mon père aussi. Pour les garçons, il n'y aura pas qu'à moi. Attendez, mais ça va jamais. Voilà, alors, on commence. Avec Armand Thierry. Donc Armand Thierry, c'est pour les hommes et ça va vraiment valoir le coup, vous allez voir. Attendez. Voilà, donc chez Armand Thierry, mon père, il s'est trouvé à combien? À 7 euros au lieu de... Mon père s'est trouvé un pull à 7 euros au lieu de 40. 40 euros, c'est cher. Et du coup, il l'a eu à 7 euros. Donc, bon, là, ça fait vieux pépé crochot, mais en vrai, il est super beau. Mais les couleurs sont beaucoup plus vieilles, elles sont trop belles. Et il est trop beau. Mais là, on dirait qu'il est moche comme un pull, clairement. Donc, il a pris en taille L à 7 euros au lieu de 40 euros. Après ce haut, c'est mon préféré, je le trouve trop beau. Comme ça, donc il est beau avec le petit logo là. Voilà. Donc celui-là, à la base, il coûtait 40 euros et il a eu à 9 euros. Et 9 euros, pas 99, 9 euros pile. Il y avait plein d'autres hauts, mais mon père il voulait pas s'en prendre d'autres, même si je lui ai dit. Et celui-là, il est trop trop beau parce que le dégradé ça fait trop, mais trop trop beau. Bon, après, c'est des slips donc ça me va super bien, mais là ça fait grain sur moi. Alors, oui, aussi ma tenue, je suis un pyjama, ce haut c'est à mon père et ce bas, ben, c'est un pantalon très vieux. Voilà. Donc, après, alors je vais pas couper la vidéo, hein, c'est bon. Après, toujours mon père, alors il s'est acheté un truc, mais j'ai pas voulu le montrer puisque il le porte sur lui. Voilà. Alors, mon père a ça là, je sais pas comment ça s'appelle. Cette main, elle s'appelle Unique, je sais pas quoi. Je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, voilà. Alors, comme il taille ça taille super, mais vraiment hyper grand là-bas. C'est tout pris en taille M. Genre, mon père, il est barricadé, mais genre, il est très costaud, mais genre, il est, voilà, pas costaud, mais il est hyper, hyper, hyper musclé. Et ça taille super grand. Bon, après, c'est stretch, voilà. Donc en taille M à 2,99€ au lieu de je sais pas combien, au lieu de 15€, voilà. Ah non, 5,99€ au lieu de 15€. En taille M, j'ai trouvé ce t-shirt. Alors ça lui moule très le corps comme les pantalons, mais ça c'est des hauts. Il est trop trop beau, enfin je sais pas, c'est trop beau les motifs je trouve, comme ça noir et blanc. Après, il s'est trouvé. Celui-là, il est trop mignon. Il y en avait un autre, mais je lui ai dit, celui-là, il est beaucoup plus beau. 2,99€ au lieu de 15€. Ils sont tous à 15€. Aussi en taille M, non, je crois. Oui, en taille M. Il s'est trouvé ce petit haut. Il est pas trop mignon. Genre ça, je trouve ça trop joli. En fait, j'aime trop. Et genre là, il est pas du tout pète, mais il est trop, 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 trop beau. En vrai... Et c'est trop joli quoi. Et après celui-là c'est mon préféré parce que moi j'aimerais trop en avoir un, mais pour les filles bien sûr. À 2,99€, à la base il coûtait 10€ en remise et là il était à 2,99€. Parce que, ah punaise. À la base celui-là il coûtait 15€ aussi. Donc j'ai trouvé celui-là, il est trop beau, genre c'est tie and dye un peu. Et ici il y a un petit logo que je kiffe. Trop ça va, genre c'est un dégradé comme ça, un bonhomme, sur la poche qu'il y a, ici un bleu tie and dye nuageux quoi, c'est trop trop beau quand même, moi j'aime trop je trouve. Après, on va continuer avec mon père, donc
Parce que je suis allée qu'avec mon père, parce que genre c'était, on est vendredi et voilà, ben, on est allés tous les deux parce qu'il était en congé. Et demain, on va au Tour de France et on va camper 2 jours. Alors ça, je le trouve trop beau. À la base, ça coûtait combien ça? À la base, ça coûtait 30 euros et mon père l'a eu à 13 euros. C'est un bon qu'il va prendre demain parce qu'on n'en a pas. Il fait super froid en montagne, en taille L cette fois. Il a pris, il est trop canon, je trouve. Un manteau de suite, vous savez, les comme ça, là, des marques Teddy Sweet, je crois, ils font ça. Ils s'ouvrent juste à moitié jusqu'à la Teddy Sweet, je crois, ils font ça. Mais moi, j'en voulais un Teddy Sweet pour moi. Mais en fait, bon, et pour mon père. Mais là, je trouve ça, je le trouve trop beau, le mien aussi, que celui de Teddy Sweet. Du coup, ben, on a pris celui-là. Et sur le côté, là, ici, ben, il y a une fermeture et il y a des poches, bien sûr. Il y a une fermeture et une ouverture pour le passer, parce que mon père n'arrivait pas à le passer, bien sûr, pour, à cause de ses bras. Mais voilà, et il est trop beau, comme ça, là, avec la grosse capuche de montagne. Voilà, maintenant, on va passer à moi. Ah oui, avancez dans la vidéo si ça vous saoule, parce que là, j'ai pas envie de couper la vidéo, je suis fatiguée. Demain, je me lève à 4h du matin. Aujourd'hui, je me suis levée à 7h du matin. Hier, je me suis levée à 3h du matin. Comment vous dire que pour des vacances, c'est cool, parce qu'on fait des trucs géniaux, mais comment vous dire que je suis fatiguée. Bon, bref, toi, t'arrêtes de raconter ta vie, là, tout le monde s'en fout. Après, alors moi je suis allée à Jennifer. Moi j'ai deux Jennifer, vous allez voir. Je suis allée à Jennifer aujourd'hui. Et je suis trop contente. Je vais prendre un autre truc, mais j'ai préféré prendre cet article au lieu de l'autre. Alors c'est une robe comme ça, moulante, mais ça va. Ben, en gros, c'est une carreau comme ça, mais elle est beaucoup plus belle à la en vérité, comme ça. Et genre, c'est trop beau parce que sur le côté vous avez. Désolée, je parle un peu vite, deux bandes comme ça là. Et genre, ça moule en fait, genre ici là, et c'est trop beau. Elle est comme ça, elle est longue quand même, vous voyez, elle m'arrive ben, au niveau des genoux, enfin juste un tout au-dessus des genoux. Et sur ce côté, vous avez une petite fente, comme ça, et c'est trop beau. Et ça, à la base, elle coûtait 15 euros, pardon, et je l'ai eu à 8 euros, donc 7,99 euros. Après, à... à 6 euros, bon là il n'y a pas une très grande remise, il n'y a eu que moins 20%. Au lieu de 8 euros, dans 7,99, je l'ai eu ce petit haut à 5,99. Mais là, c'est pas beau, mais en fait, moi ce que je fais, c'est que vraiment je le resserre au max. Comme ça là, attendez. Je le resserre au max ici, parce qu'on peut le serrer. Et du coup, bah, en fait, ça fait un peu les hauts... Putain, c'est quoi ça là? Désolée. Ça fait un peu les hauts retroussés. Enfin bref, les hauts comme ça là. Genre, enfin bref, vous avez compris. Voilà. Donc voilà, et en tout, ça m'a fait. J'en sais rien. Voilà. Ah si, il est là, il est. En tout, ça m'a fait un total de 13,8. Donc, après, alors, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. On va passer à Bershka. À Bershka, alors ça m'a coûté 4 euros. Et c'est trop joli, je l'ai pris en taille. Ah oui, je vous ai pas dit. Bah, j'avais un peu. J'ai pris les deux articles en taille L, voilà. Donc à Bershka, je me suis trouvé ce petit haut. Il est trop. Mais là, c'est la vraie couleur. Il est trop beau. Et il y a marqué Limon dessus à 4 euros au lieu de 6 euros. Voilà, ça va. Même le prix original n'est pas cher. Il est trop beau, il est... Voilà, il est de cette couleur, en taille S. Donc ça me taille super bien. Bon là, ça a l'air minuscule, un petit torchon là, comme ça, de nappe. Mais pas du tout, il est trop beau. Et voilà, donc je ne me suis pris qu'un petit truc parce que... Le reste, c'était beaucoup, mais beaucoup trop cher. Après, alors, H&M, j'ai fait les affaires du siècle. Alors, d'abord, mon père est passé à Jules, mais cet article, il a sur lui. Et ça passe presque pas au niveau des bras après. Oh, dégage. Donc moi, je suis passée à H&M. Et là, j'ai fait les affaires du siècle. Et ça m'a coûté en tout 20 euros. Pas du tout cher. Déjà, à 1 euro au lieu de... Au lieu de...
au lieu de 6 €, mais en fait là il est moche comme ça, mais c'est trop trop joli. En vrai c'est trop beau, enfin voilà, il est trop beau. C'est un t-shirt à 1 € quoi, basique, vraiment. Après j'ai pris que des shorts, mais trop bien. Alors un taille 40 et c'est des tailles basses. Donc ça fait comme ça. J'ai pris un taille 40 parce que le 38 ça passait pas. Enfin, ça se fermait pas au niveau du ventre comme ça. Donc à 5 €, alors ils sont tous à 10 € et je vais vous dire les prix dans Remusée. Moi à 5,99 € j'ai eu le rose. C'est un rose bonbon. J'ai pris que des couleurs pastel à part un. Et c'est trop trop joli. Donc ils voulaient clairement s'en débarrasser, donc les prix sont choquants quand même. Donc voilà, il est rose bonbon. Enfin, vous voyez le rose bien bonbon là, bien qu'on a envie de manger. C'est cette couleur. Après à 1,99 €, donc à 2 €, un jaune pastel, un vrai jaune pastel. Voilà. Je me suis trouvé ben, celui-là, c'est un taille 40 aussi. Après un violet pastel à 4 €. Et celui-là, à la base, il vaut 20 €. C'est le seul qui vaut 20 € à la base et je l'ai eu à 4 €. Donc je suis trop 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 contente parce que c'est mon préféré, voilà, en fait. Donc c'est un violet pastel, comme ça, un vieux violet pastel. Et c'est trop beau parce que ben, du coup c'est classique, mais moi j'aime bien. En bas il est ben, déchiré comme ça, décousu un peu, donc je trouve ça trop trop joli. Et vous savez, quand moi j'ai des hyper grosses cuisses, ben, j'ai zéro, mais zéro, zéro short. C'est pour ça que j'en ai pris autant. Et parce qu'il y avait ma taille et que tout simplement il m'allait trop trop bien. Donc c'est pour ça que j'en ai pris autant, mais franchement c'est très bien. Après un noir parce qu'il faut quand même un basique. Voilà. À 7 €. Voilà, celui-là il est un peu plus taille haute que les autres. En fait, ce qui est bien, c'est que derrière il est taille haute. Pour pas du coup que ça arrive là et qu'on voit votre cul, clairement. Et devant, en fait, il est taille basse. Mais je trouve ça trop trop bien. Et voilà, c'est pareil, il est un peu plissé celui-là et ça donne des formes. Donc voilà, c'est trop trop beau. Et puis voilà. Donc, maintenant, on a fait notre petite enchaîne. Donc, H&M, c'est là où j'ai acheté le plus de trucs dans le magasin. Et je suis trop contente. Après, je suis passée à Stradivarius. Et là, j'ai quand même fait l'affaire du siècle. Mais vraiment. À Stradivarius, d'abord. Ah, alors ça, c'est un orange, mais fluo, fluo, fluo. Ah, voilà. Ben voilà, parfait. Vous voyez, orange fluo. Donc, c'est un très beau orange, je trouve. C'est la couleur préférée de mon père. Donc, mon père m'a dit prendre le direct. Alors, celui-là coûtait combien, en fait? Attendez. Comme du coup j'ai pas le prix là-dessus. Ah oui, cette vidéo va prendre du temps, je vous le dis. Ah voilà. Alors, je l'ai eu à 3,99 € au lieu de je sais pas, parce qu'il n'y a pas marqué, voilà. Après, donc, au lieu de 20 € à 10 € j'ai eu à moins 50 quoi. J'ai pris un taille 40, donc voilà. C'est un taille hyper hyper haute, genre le truc qui m'arrive là quoi. Donc c'est un taille hyper haute. Et j'ai pas cette couleur, voilà. Donc je me suis dit, il est super léger. Bon, il me va quand même, regarde la taille. Il me va quand même un peu grand au niveau de la taille, mais ça c'est pas grave, comme je vais enlever. Et donc, ben, il est slim et en bas, bon, ça se voit pas du tout, mais un petit détail, il est juste un peu déchiré, vous voyez, ça se voit pas, mais voilà. C'est un, comment on dit, un bordeaux. Il est bordeaux, mais on dirait pas du tout. Et. Un prune quoi, un bordeaux prune on va dire. Et je trouve ça très beau. Alors ça, à la base, il valait 30 €. Oui, il valait 30 €. Donc 30 € c'est très cher, j'aurais jamais pris ça à 30 € et je l'ai eu à 10 €, donc en taille 40 aussi. Franchement, je suis trop contente parce qu'il est trop beau, vraiment. C'est un comme ça, donc c'est un slim, j'ai pris que des slims. J'ai que deux slims, même les shorts c'est des slims. Parce que je mets que du slim pour m'allonger. Donc on voit pas mon ventre dans les deux pantalons. Et ça c'est super parce que d'habitude on voit mon ventre et j'aime pas du tout. Donc c'est un comme ça, il est trop beau. Alors là ça fait gangster, ça fait pas beau je trouve. Comme ça, donc il est comme ça. Vous voyez au milieu il y a une petite bande bleue comme ça. Voilà qui arrive en bas. Et en bas il me taille comme celui-là, genre pile ici. Trop cool. Et derrière ben, c'est un plus foncé, voilà. Et ça marque bien les formes et il est trop beau. Bon, celui-là, c'est un taille basse. J'ai fait mes souhaits. Celui-là, c'est un taille basse, donc il n'arrive pas là, mais genre, il arrive ici comme ça.
Et voilà, donc pour Stradivarius, et en tout, j'en ai eu pour combien, moi? C'est ça, non? Ouais, j'en ai eu en tout pour 23 euros. Ah non, j'en ai eu pour 19,95 € au lieu de 23 euros, donc ça va. Après, on passe à... On passe à Undies, à Undies. Je suis trop contente. Voilà, clairement, je suis trop contente. Alors, j'en ai eu en tout pour 20 euros. Undies, c'est quand même un peu cher, mais ça va. Alors, d'abord, je me suis trouvé en taille L à 6 euros au lieu de 12,95 €. Un petit short. Alors, c'est un short très taille basse, donc, parce que sinon, là, clairement, le truc, il fait comme ça. Mais il est trop beau. Alors, c'est un short en bleu velours, comme ça, là. Enfin, c'est un bleu vert hyper foncé, velours, comme ça. Et sur le côté, il est tout en dentelle. Voilà. Donc, une petite dentelle, comme ça, là, qui fait tout. Et c'est trop, trop beau. Donc, il est trop beau. Et ça, clairement, il est super, super doux. Dedans, en plus, il est aussi en velours. D'ailleurs, il a un velours partout. Il est trop... Alors là, je le voyais partout. Enfin, oui, personne ne le voyait, mais moi, je le voyais. Et je la voulais trop. Donc, la base, elle valait 14,95 €. Je l'ai eu vers 7 euros et des petites bananes. En taille M, je me suis trouvé cette petite brassière. Mais genre, moi, je ne le mettrais pas en tant que brassière parce que je m'en tape. Donc, une petite Pokémon comme ça. Bon, après, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. J'adore le Pokémon parce que je sais pas, vous vous souvenez dans ma vidéo précédente que je vous affichais dans le petit, normalement. J'avais mon t-shirt de chez Undies aussi, Pokémon. Donc, j'aime trop Pokémon. Enfin, j'aime pas que Pokémon, mais j'aime trop les t-shirts de Pokémon. Après, alors, celle-là, je suis trop contente. À taille M. Elle valait à la base, je l'ai eu à 6,12,95 €. Je l'ai eu à 6,46 €, un truc comme ça, ouais. Donc, c'est la NASA, comme ça, elle est toute simple devant. Mais le détail qui tue, c'est ça. Sur le côté, elle est comme ça. Ça, on est bien d'accord? Enfin, genre, elle est comme ça. Et sur le côté, elle a le petit détail qui tue, là. Oh, et ça, c'est trop beau. Moi, ça, je mets ça comme ça, je me kiffe à moi-même, voilà. Après, j'ai toutes les affaires à préparer pour le camping là. Donc, après, on passe à un autre des Jennifer, comme ça. Alors, bon, j'ai acheté des sous-vêtements, je vais pas les montrer. Voilà. Alors, un autre des Jennifer, j'en ai eu pour 12 euros. Au lieu de combien, moi? Alors, elle est... à la base, j'en aurais eu pour. Ok, il le met pas. Super gentil, vous êtes sympa là. À la base, elle vaut 20 euros et je l'ai eu à 10 euros, donc moins 50%. Comme ça, c'est une petite. Une robe en fait, clairement. C'est une robe, elle est trop belle. Donc, dedans, il y a la petite dentelle. Et ce que j'ai aimé, c'est que ici, en fait, au niveau de la taille haute, vous avez un petit anneau. Donc là, en fait, ça vous passez comme ça là. Et on voit votre peau comme ça, donc ça fait super super mignon, c'est super cute. Donc c'est une robe assez longue, ouais, ça sert du coup à la taille. Et c'est trop beau, voilà. Alors, elle est où ma poche là? Alors, après, pas de pull and bear, mais ça c'est à Camailleux. Je me suis trouvée parce qu'en fait j'ai acheté un article. À la base ça vaut 30 euros et je les ai eu à 11 euros parce que j'en avais pas. Il m'en fallait et elles sont trop belles. Un taille 41 parce que ça taille très très petit et je mets du 40 au moins à la base. Donc voilà, c'est ça. Comme ça et donc elle s'attache derrière bien sûr. Elles sont super mimi, voilà. Donc avec deux petits anneaux devant. Sur les côtés vous avez des petits clous comme ça. À marron, ça passe avec tout, c'est beau, c'est joli, c'est cute, c'est mignon. Après, à Promode, j'ai pris que des pulls, mais voilà. Je me suis trouvée à 5 euros au lieu de 30 euros. À la base, il faut 30 euros. Et je l'ai pris juste au niveau du col, regardez. Donc, j'aime trop la couleur vert comme ça, un peu vert d'eau. Et au niveau du col, donc ça, en fait, ça vous moule bien le col. Et là, vous avez plein de petits froufrous. Et aussi au niveau des manches, c'est trop mignon. Ça me rappelle trop
mes t-shirts et tout d'enfant, je les ai pris juste pour ça. Et que la matière est vraiment super, mais super douce. Après, savon. À la base, il valait que 20 euros. Je l'ai eu à 7 euros. Mais je le trouvais beau en fait. C'est un petit tour rouge. Ouais, orange rouge comme ça. Et en fait, c'est juste parce que sur le côté, j'aimais bien ben ça. Voilà, tout simplement. Et c'est un chauve-souris comme ça. Et je trouvais ça donnait un petit côté. Alors celui-là, je suis trop contente parce qu'à la base, il vaut 30 euros. Et je l'ai eu à 7 euros. Donc c'est orange, mais fluo, mais fluo, 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 fluo. Et en fait, c'est... Vous voyez les épaules comme dans les robes de mariée, des fois, genre comme ça là. C'est pas des épaules comme ça, mais un peu comme ça. Et comme il a un très grand col en V, ben, ça fait ça. Avec un petit collier là. Mouah, trop beau, une beauté. Oh, c'est ma mère qui est rentrée. J'ai eu peur. Oh, maman. Donc voilà, j'ai pris ça. Et moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis bye bye.